Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un dernier vlog à Étretat, enfin plutôt dans les environs d'Étretat, puisqu'on va à Fécamp. Je commence à filmer quand je baille. Il plouche! Pourquoi je parais super blanc alors que je suis pas blanc? Si, t'es blanc. Non, je suis pas blanc. Je suis bronzette. Non, mais moi aussi, regarde, j'ai des coups de soleil normalement. Bon, comme vous pouvez le voir, à notre humeur du matin, enfin notre dynamisme du matin, on a bien mieux dormi que l'année dernière. Presque. Vraiment mieux dormi, le camping était très très calme au niveau des voisins. Hugo a mieux gonflé son matelas, donc c'était parfait. Par contre là on a un temps un peu pourri. Bah on voit rien, c'est saturé. Bah on voit rien, mais dans la vraie vie on voit rien non plus. Donc ça vous montre bien la réalité. Encore je crois qu'à la caméra on voit plus que dans la vraie vie. Attention. Ah bah ça va, je vraiment. C'est... Ah si, on voit un petit peu plus la mer quand même. Ça se découvre tout doucement, j'ai l'impression. Oui. Il y a des rétroviseurs si tu veux te coiffer. Ah, le volet! Donc voici la Clio avec ses petits volets pour la nuit. Oh, on a un invité dans la voiture. Et maintenant, petit déj face à la mer. Allez, on quitte le camping, là on va direction Fécamp pour aller se promener dans la ville. Du coup le camping c'était le rivage à Yport, vraiment sympa, la vue bah, magnifique, hein, c'est pour ça qu'on est venu là. L'accès au village très très rapide, on pouvait monter en haut, avoir une vue sur la falaise très très rapidement. Donc vraiment hyper bien situé. Le seul petit désavantage c'est la douche qui était vraiment pas chaude. Alors est-ce que c'est parce que dehors il faisait pas chaud et que du coup le chauffe-eau avait du mal, ou est-ce que l'eau se refroidissait en atteignant la douche, je ne sais pas. Le camping, si jamais vous voulez aller dans le coin, franchement je vous le recommande. L'accueil était plutôt sympa, donc vraiment pas de soucis. À la hausse sont impressionnantes. Cette partie du port là est en travaux. Tapis rouge. Quel bateau veux-tu acheter? Le gros qu'on voit pas parce qu'il y a l'escalier. Il veut celui-là là. Trouver l'intrus. Sur les fesses dans les galets.
Bon, du coup, comme on est lundi, tout est fermé, donc Fécamp c'était très très mort. On est allé voir l'espèce de palais qui était plutôt joli, mais sinon, bon, casse pas trois pattes à un canard quoi. Il y a des petites choses sympas, mais franchement, les deux autres villages étaient plus sympas. Et puis, bah, on va prendre la route du retour. On est là très motivés tous les deux. Ouais. Arrivé 17h. Notre petit van trip s'arrête ici, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour nous retrouver l'année prochaine pour un nouveau petit van trip, on l'espère. Coucou toi. Bon. Petit père. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça y est, on est rentré. J'ai littéralement dormi, ou presque. Non, un tiers du trajet. Ouais, la bouche ouverte. Oui, je le sentais, j'étais réveillée, j'étais en mode. Moi j'ai pris une photo. C'est vrai? Oui. Ça l'a pris. Du coup, j'espère que cette petite série de vlogs vous aura plu. Et je vous fais des très gros bisous.